Alors avant de commencer, petite dédicace à PNL, petite dédicace à... Et aussi petite dédicace à Enzo Thomasian, petite dédicace à... Alors juste avant de commencer, petite dédicace au clan Team Kibra, son hashtag c'est Q09UPR9, et donc du coup, petite dédicace à... Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite attaque jour qui va mal finir, c'est moi qui vous le dis. Alors, on est contre The Killer. Attendez, ça fait très mal. Bon, je sais pas si vous avez vu, regardé le pack opening d'hier, mais hier, on a amélioré la méga gargouille, donc du coup, on l'a niveau 8, les gars, et ça, ça fait plaisir. Bon, attendant ce que je vais faire. Oh oh, ça fait mal là, hein, ça fait mal. Ouh, attendez, on va faire ça. Et pourquoi pas faire ça, tiens. J'ai bien envie. Et ben voilà, nickel. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais faire ça, boum, à plat. Faites que t'as pas de zap, ou des flèches, ou je sais pas quoi, faites que t'en aies pas. Il faut qu'il ait des flèches, bien entendu. Ça va, on a fait un minimum de taf. Bon, on l'a pas trop rattrapé. Oui, bon, alors, arrêtons le suspense. Ce deck n'est pas à moi, ce deck est à... je vais te le dire. Ah oui, à Simon Bombart, voilà. Donc, voilà. Alors, Le problème, c'est que j'ai un niveau 10 en face de moi et des troupes qui sont pas trop évoluées, tu vois, on va pas se le cacher. Alors juste, ouais, si tu peux mettre la Valkyrie. Bien sûr que non, la Valkyrie qui met 2 ans à venir. C'est génial. C'est le kiff total, dis donc. Bon, on va essayer de tuer... Oh, d'un côté, ça l'a stoppé, ça veut plaisir. Mais bon, d'un côté, j'ai un peu mal tiré parce que, bon, on va pas se le cacher, j'ai fait n'importe quoi. Bon, cette fois-ci, arrêtons de faire n'importe quoi. On va essayer de jouer stratégique. Et pourquoi pas de gagner, hein? Non mais ça peut être une possibilité, parce qu'il est niveau 10 qui va me défoncer, hein? Surtout avec les troupes toutes pourries que j'ai, mais enfin bon, c'est pas très grave. Après tu t'étonnes que je redescende trophée, hein? Mais bon, si j'ai des decks avec des troupes qui sont à moitié améliorées, forcément c'est compliqué, hein? Bon, d'un côté on a quand même des bonnes troupes, hein? Méga Gargouille, Valkyrie, tout le baratin, quoi. Ok, alors fais ça, bam, nickel. C'est bon? Voilà, ça fait plaisir, tiens, bah voilà. Et bah voilà, qu'est-ce que je voulais de plus, moi? Rien du tout. T'as vraiment cru? Attends, ça a fonctionné une fois, parce que j'étais pas attentif. Ça a fonctionné une deuxième fois, parce qu'encore une fois, j'ai fait n'importe quoi, j'étais pas attentif. Mais ça fonctionne pas 3 fois, mon petit, hein. Attends, on va essayer de faire ça. Malheureusement, ça fonctionne pas très bien, là. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, on va envoyer... on va pas envoyer ça, parce que ça, on va être dans le 1. Voilà, quoi. Bon, on va peut-être envoyer ça, tiens. Comme ça. Ouais, vas-y, fais du taf, stopper le PK. T'es mon seul espoir. Oui. Comment t'as trop le seum, hein? Allez, on va prendre le 2 étoiles direct, mon gars. Essaye de faire quoi que ce soit, t'es mort, de toute façon. T'es mort, t'es foutu. Hop, voilà, et là, le petit machin. Et bah voilà. Et bah voilà. Je demandais carrément pas mieux. C'est génial, mais c'est le kiff total tout ça, hein. Mais en plus le mec il continue, quoi. D'accord, et bah c'est génial. Et bah voilà, on va mettre de la méga gargouille en défense. Et là maintenant qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il y a une petite électrocution, pouf, hop là. Et bah voilà, regardez-moi ça. Pouf, on fait du taf. Et là t'es dans la... Eh, je pense que tu m'as compris. Eh, ma souris, si t'as envie, je m'en fous, moi je souris un max là, hein. Ah, The Killer est mort. Malheureusement, hein, c'est un peu l'ironie du sort. Voilà, bon, en attendant, c'est vrai que, oh, franchement, est pas mal. Tu vois, il y a moyen de retourner la situation avec ton PK, là. Avec le mini PK, il y a moyen de retourner la situation de ouf, hein. C'est un truc de malade. Je pensais pas que c'était possible. T'envoies ton molosse, et puis après, je sais pas, une petite Valkyrie, un PK, suivant la situation, ou alors une méga gargouille, ou quelque chose comme ça, et tout. Et, oh, il y a moyen de faire du taf et tout. Mais vraiment bien comme il faut. Ça, franchement, ça fait plaisir. Bah tu vois, je pensais pas en fait, vu comment j'avais commencé, j'étais contre un niveau 10 avec des troupes qui sont pas trop élevées non plus, enfin il y en a certaines en tout cas, le dragon, le zap, enfin les petites troupes comme ça, bon c'est vrai que c'est pas non plus les plus intéressants dans mon deck, mais enfin dans le deck actuel je veux dire, c'est pas les plus intéressants, donc c'est vrai que ça change pas grand chose, mais malgré tout quand même, il y a un petit truc, mais bon c'est vrai que finalement on s'en est bien tiré et puis... Il a de la puissance ton deck. Ah, il y a moyen des fois avec un petit peu de stratégie. Bon, il y a moyen de faire mal, très très mal même. Ouais, autant que le mien que j'ai d'habitude, hein, franchement. Même
suivant les cas, des fois peut-être plus, hein, et encore ça dépend. Ouais, ça dépend les cas en fait. Mais bon, malgré tout, et franchement, ça va. Ça va, il est pas mal. J'aurais été contre de la horde de gargouilles. Ah, je t'aurais peut-être pas dit la même chose. Je t'aurais dit peut-être que là, il y a un point faible. La horde de gargouilles, il y a un point faible. T'as pas de flèche. T'as une boule de feu, oui, c'est sûr, mais. Ah, je sais pas. Il faudrait essayer. Et puis voilà, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que. Bah, du coup, je vais essayer sur ce. On s'est fait une bonne petite attaque jour. Et du coup, je vais essayer sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis à ciao. Et puis, n'oubliez pas, restez cool!